Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Je te dis dernière conférence nous te fait lundi. Nous avons une conférence n'a fait pour nous capable bailler plus explication sur dossier un jeune garçon qui peut quand même atteindre 40 ans, qui a gagné 9 ans en prison, sous prétexte que un monsieur qui est Pierre Espérance, qui a fait promotion de Douamoun, et lui-même, lui mettait monsieur en prison. Nous allons attendre monsieur qui explique en détail comment il fait depuis 9 ans, il est derrière 4 murailles, il n'est pas calibré, pour des choses qu'il ne connaît pas. Et ça qui fait, ouais, dans l'invitation pour la presse, nous fait je dis, objectif conférence, nous dit, c'est témoignage de moun yo kidnappé qui emprisonné depuis 108 mois, qui égale à 9 ans, sans juger, sous l'ordre, un chef kidnapping qui est Pierre Espérance, qui va être un titre, qui est côté jeune, secrétaire exécutif RNDDH, qui est une association criminelle, malfaiteur, kidnappeur. Et n'a pas rappelé pour tout le monde, dans la liste kidnappeur qui a fait planification pour enlever 10 personnes, nous avons fait un nom. Il y a probablement qui est Jean Gabard, Jean Dukens, qui a arrêté les Petit Gouave le 12 dans la rue Nissal Sager en compagnie de 3 ou bien 2 autres personnes avec des armes dans la main. Donc nous-mêmes avons fait des marches avec avocat nous. Pour nous faire transférer monsieur dans la cour Port-au-Prince parce que nous avons une plainte qui est déposée contre Gabard Jean Dukens. Nous avons une plainte qui est déposée contre La Faye et David Domé. Nous avons une monsieur s'est déporté très violent et Gabard Jean Dukens, Gabard, lui-même, il a arrêté le petit gars. Monsieur a 3 identités. Il y a 3-4 sur lui. Donc c'est un type violent. Et monsieur fait partie de gang 4x4 qui est dans la tête de Pierre Espérance. Donc c'est précision ça que devait porter pour nous sur l'évolution de la situation. Il y a une qui a arrêté déjà. Donc on a demandé au commissaire gouvernement pour le faire suite nécessaire pour monsieur Kavin répondre à une question que nous-mêmes nous reprochons. Donc deuxième volet, c'est exactement parler nous de jeunes garçons Sahara qui c'est en sécurité rapprochée, qui était condamné avec le sénateur Maurice Jean-Charles, qui va expliquer nous comment le fait dans prison, qui moun, qui mettait, pour qui ça. Et nous disons que monsieur, c'est un monde qui a kidnappé. Monsieur subit un kidnapping douce, classique, et pendant la prison, hein, monsieur Espérance a visité, il dit monsieur, tout autant qu'on pas d'accord, ça me dit, on va faire toute vie dans prison. Bon, mon petit détail, non. Comment vous avez fait rencontrer avant pour jusqu'à ce qu'il arrête? L'État arrête tout. L'État arrête tout un mandat. Est-ce qu'il t'a gagné information sur route, une action de criminel? Comment, en détail, résumé pour moi, en 2-3 mots, dans un petit texte ou dans un petit voice, pour me connaître comment vous êtes arrivé dans monter machine, monsieur, quand vous êtes sorti pour te rencontrer avant? Bon, mon petit détail, Chelson. S'il vous plaît. OK. Bien, c'est une fausse information qu'il dit. C'est pas ton information qui est vraie. Le monde qui me dit proche, c'était Maurice Jean-Charles. Je n'ai aucune relation avec ni Joseph Lambert, ni Dozini. Le montage, ça, son montage Pierre Espérance qui est lié, c'est Mati, monsieur, fait juste pour lui avis limonio, pour le salon monio, pour le mettre en prison, comme soi-disant. Et moi-même, moi, partager information avec les bons parents, on a aidé, moi, je n'ai pas partagé information avec Pierre Espérance du tout. Les produits en rapport, les disent moi qui parle là dans jamais au grand jamais pas en rapport monsieur. Baron elle dit tout baron a des rapports, il est privé dans prison, il y a un paquet d'informations des rapports. Dimanche, je parle ensemble avec le président Jovenel sur le dossier. Je dis quoi qu'il faut que première dame Martine, faut qu'on s'aime première dame Martine Maurice. Il y a bon genre d'informations des dossiers ça tout parce que moi qui en contact. Si vous ensemble avec le président Jovenel, qui était même déjà contacté droit à Mbenazinville pour délibérer parce qu'il était ouais, un dossier, c'est un dossier qui va être gagné là-dedans.
Et bien, on cita après pendant deux pendant des matchs à faire pour moi assassiner le président. Et ça fait un barrage à libérer. Oui, comment t'es fait rencontrer à monsieur? Est-ce qu'il t'a eu le téléphone? Il devine côté lui? Il bon rendez-vous? Est-ce que c'est Jacques Mel ou t'es eu? Qui côté t'es eu? Ou est-ce qu'il t'a mis la Kaili ou bien dans l'hôtel? Bon, un petit détail sur ça, tout petit. D'accord. Ok, maintenant, je suis ensemble avec le sénateur Moïse sur le téléphone. Je suis au monsieur, le même qu'on aime pas de connaître. Numéro monsieur, c'est le même qui identifie le type de CPR expérience directeur exécutif RNDDH. Il dit que les besoins pour moi rentrer ensemble avec moi pour qu'ils puissent faire concernant la sécurité. Et puis moi rentrer ensemble avec lui, c'est là ça. J'étais tout mal bon montant d'informations et il était même interdit pour ne pas aller là avec moi. Ok, j'étais fait me loger dans la belle lune hôtel Pichonville. Je suis pas belle à un moment. Moi c'est mon belle 7, mais c'est ici. C'est pour plus ma vie parce que c'est pour plus de travail. À l'époque, c'est normalement de Moïse Jean-Charles. Abraham 17 assez, d'où a fait 3 dégâts. Nous avons l'état négligent, nous avons l'état pas décidé de faire qui raille. Nous ravinons pour opter ravinons. Nous besoin de bourrettes, nous besoin de pelles, nous besoin de râteaux. Même si l'odeur pas qu'à entrer en dedans, mais la vie n'a qu'à nettoyer à la main. Je demande des magistrats, premièrement, je demande des ministres de travaux publics, je demande des ministres environnement, pour tout le paquet OIM, toute organisation internationale qui a grandi ici. Je demande pour yon vin propre tes zones dans l'immédiat parce que la population n'a pas arrêté, non, saleté ça. Chaque fois que la pluie tombée, l'hypothèse de déchets en bas, là il y a un problème en bas. Merci à l'organisation politique, président du bord, nos cas Ariel Henry. Vous n'avez pas un premier ultimatum par Ariel Henry par rapport à l'insécurité généralisée qui continue à ravager le pays. Parce que je dis, Ariel Henry, en tant que chef CSPN, c'est lui-même qui l'a donné le temps pour résoudre le problème de sécurité. Et bien actuellement, c'est comme si le pays a validé. Revendication, nous signons un accord avec Ariel Henry, accord 11 septembre 2021. Ariel Henry gen ti mwam pour Ariel Henry changer cartel mairie yo. Mairie de Port-au-Prince, mairie Pétionville, mairie Delma, mairie Kafou. En bas pression militant à Kayen parce que Ariel Henry te besoin aller à Kayen, li débarqué depuis c'est unité dans la police là l'année. Mesdames, Messieurs,
Ces deux écoles que vous voyez ici ont eu un parcours hors du commun. Je dois vous dire que cet après-midi, vous êtes tous gagnants. Seulement le match va faire un petit partage parce que déjà, il faut qu'il y ait un premier et un deuxième. Vous avez, au sens de votre sacrifice, vous avez pour apprendre avec les écoles. Je crois que l'expérience que vous faites aujourd'hui restera gravée dans les annales de l'histoire, à savoir ce vieux lycée, le lycée national de Pétionville et Alexandre Pétion. Donc ce sera un match en paix, hors du commun, et ça restera gravé dans les annales de l'histoire de ces deux lycées. Pas qu'un film aujourd'hui maintenant, parce que déjà les précédents ont tout presque tout, mais c'est moi. Quel que soit Jean-Pierre là, eh bien, moi content que depuis l'Azioua jusqu'à on avait de vous finissez pour nous voir le ciel, le marin, Jodien, c'est le ciel du marin qui a champion. Seul la carte gâtie, deux équipes qui champion. Ministère quoi ça, en plus de tout le prix que nous allons recevoir, mais finaliste là après ce voir, après midi en même, 1, 2, 3, 4, 8 et 8, 16, 16 tablettes. Que, parce que pour moi-même, nous tous déjà champions. Ministère, pensez à nous, chacun pose mon tablette. De façon spéciale, ma pépine nous pose une pensée spéciale pour champion 6e édition, qui n'a même pas participé à ça. C'est le lycée national Jacques-Mer. Malheureusement, pas de calamètre. Eh bien, il y a que ce fois pour 8 tablettes. Parce que l'année passée, il y a que ce fois 8 tablettes. Pour moi-même, personnellement, je vais célébrer 3 équipes championnes. Moi-même, Edwige Pierre-Louis, en tant qu'élève du lycée national de Pétionville, si c'est équipe champion tout, donc moi, vraiment content. Moi, senti que le travail que nous avons fait n'est pas en vain. Donc, moi, profite de l'occasion pour me dire toute jeunesse haïtienne, malgré différents troubles que la société nous a fait face, pour prioriser l'éducation même j'avais nous, afin que le pays soit capable de sortir dans sa culière. Parcours là, il était vraiment, vraiment intéressant. Nous-mêmes au niveau du lycée national de Pétionville, nous avons l'habitude d'organiser génie dans l'école. Nous. Donc, jouer génie, c'est un plaisir que lié pour nous. Nous devons participer à la compétition. Hein. Nous devons avec espoir que nous avons travaillé pour nous gagner. Donc, pourquoi tu es vraiment bien? Nous avons rencontré l'autre élève lycée pareil. Moi. Nous avons familiarisé ma veille, nous avons contacté pour nous toujours parler. Et je pense que tout, après génie, tout, nous avons continué à rencontrer la faculté de l'État, l'autre faculté. Yo. Donc, c'était un très très bel parcours et nous avons remercié tout le monde qui a pris l'initiative pour bonne occasion pour nous capables de faire ça que nous aimons, à savoir jouer, à savoir prioriser l'activité intellectuelle. Oui, nous avons un sentiment de déception par rapport à toute préparation que nous avons fait et qu'on est histoire que lycée Alexandre Pétion gagne. Normalement, nous avons été champion et si pas de quelques irrégularités, nous pensons que nous avons bien haut la main. Oui, parcours, nous avons dit c'est un parcours qui était paraître relativement facile dans la mesure où nous avons fait des préparations qui étaient à niveau. La difficulté que nous avons rencontrée, c'était surtout certaines fois pour nous réunir entre nous pour l'équipe la concentrer par rapport à la situation insécuritaire que Bel Air a vécu. Donc nous avons eu un peu de difficulté certaines fois pour nous réunir entre nous. Depuis le mois de décembre dernier, le gouvernement République là, à travers le Premier ministre, tu prends un engagement pour le mettre en place un programme social qui pour soulager la misère, les gens qui sont pauvres, qui ont souffert avec crise insécurité, avec gangou. Eh bien, maintenant, nous avons le privilège dans notre gouvernement pour moins annoncer que le programme a démarré. Avec le financement de trésor public qui est inscrit dans le budget exercice 2021-2022, pour un montant plus que 3 milliards de gouttes, le ministère des Affaires sociales et du travail a un privilège pour le coordonner
activité programme ça. Mais comme nous dit déjà, son programme multisectoriel, ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'on ensemble, l'autre ministère, avec l'autre institution qui est impliquée dans la mise en œuvre du projet. Nous avons par exemple FAES, Fonds d'assistance économique et sociale, qui va recevoir une partie dans le fonds qui est alloué pour le programme ça, pour continuer à activer le programme qui était initié déjà, qui s'est bourré de manger. Tant coup, alimenter plus que 300 restaurants communautaires dans tout le pays qui a permis plus que 100 000 personnes bénéficier d'un plat chaud par jour. Distribuer chaque mois sur tout exercice là, sur tout reste exercice là, plus que 100 000 paniers solidarité, ça veut dire les kits alimentaires là, sur tout pays. Vous voyez transférer l'argent, 3 000 gouttes, by 50 000 familles pendant une période de 3 mois. Et transfert ça à eux, et pas pour le fait n'importe qui gens, c'est à partir d'une base de données qui constitue dans le ministère des Affaires sociales, qui nous est les CIMAS, que tout le monde ça a eu, bénéficiaire ça a eu, ils vont l'identifier et c'est à partir de ça qu'ils vont faire transfert monétaire là pour eux. Préparer et distribuer à partir des cantines mobiles, des plats chauds qu'ils vont distribuer dans des coins stratégiques dans le pays. Dans le couchant de masse, à quatre autres quartiers qui n'ont pas de chance de restaurant communautaire. Le programme là dans le tout, activité IMO, ça crée les activités à haute intensité de main-d'œuvre. Il y a trois ministères qui pourraient implémenter les composantes dans le programme. C'est le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, avec le ministère Environnement, qui a bien pour créer plus que 90 000 emploi temporaire dans la zone urbaine pendant 3 mois. Le ministère de l'Agriculture, beaucoup de parle, pour intervenir dans la zone rurale avec plus que 45 000 paysans qui pourraient bénéficier de bourrade dans le cadre du programme ça pour renforcer l'agriculture. Le ministère de l'Agriculture respecte les moules, c'est-à-dire montrer à ce secteur ça qu'elle voulait respecter l'engagement. Peut-être ça, nous avons gagné pour nous initier un programme pilote de subventions ciblées. J'ai été écrit dans le protocole d'accord avec le syndicat. Et ce ministère commerce qui a gagné pour gérer la question. Le ministère des Affaires sociales et le ministère de l'économie et de la finance travaillent même ensemble pour yo 40 effectifs accompagnement social nous te promettre ouvriers particulièrement ouvriers qui travaillent dans la factory yo. Pour qu'on y a n'a gardé examen syndicalisio qui pi bon moyen pour nous joindre pour programme ça qui a démarré précis sans nous pas oublier artisans yo qui c'est yo dans secteur qui plus victime des crises d'insécurité que le pays a traversé. À travers ONAT, le programme n'a pour supporter plus que 5 000 artisans sur une période de 3 mois. Comme nous toujours dit, le gouvernement n'a pas seulement dans l'assistanat. Il pense que c'est bon genre programme de développement à gros investissement qui pour faire le pays à sortir d'un niveau de pauvreté extrême qu'il trouvait là. En attendant que nous continuions chita à parler, Yona Claude, en tant que haïtien responsable, sous plus bon moyen pour nous retourner dans la stabilité institutionnelle, qui pour permettre bon plan de développement, mettre en œuvre et exécuter dans le pays, il pensait important pour intervenir et permettre plus que 4 millions de monde qui vivent dans l'insécurité alimentaire, journée aujourd'hui, et plus que 50% de la population qui vivent dans la pauvreté extrême, te joignent un soulagement. Depuis tantôt 4 mois, nous avons travaillé
sur le document de projet, tant au ministère des Affaires sociales et qu'au ministère qu'au FAES. C'est un programme d'assistance sociale là qui pourra étendre au niveau des collectivités territoriales, c'est-à-dire au niveau des communes, des départements et des sections communales. Maître d'ouvrage là, c'est le ministère des Affaires sociales. Le maître d'ouvrage délégué n'est autre que le FAES. Et c'est ce qui explique notre présence ici, aux côtés de notre ministre Pierre-Rico Audenay. Rôle fondamental FAES, c'est travailler à l'amélioration des conditions de vie des couches les plus vulnérables de la société. FAES, c'est le bras, nous t'avons dit, prolongé de l'État pour combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est pas par hasard que FAES a impliqué dans le programme. Non. Depuis mon arrivée à la tête de l'institution, nous avons différentes activités qui nous dirigeaient vers dans des quartiers populaires, dans les ghettos et même dans les villes, dans certaines villes de province. Et à travers le programme, ça encore, FAES à présent dans la distribution panier solidarité, transfert monétaire, les cantines mobiles et l'approvisionnement de 171 restaurants communautaires. Le rôle capital que la Commission nationale des marchés publics est appelée à jouer et qu'elle joue en réalité dans le développement de notre pays. Placée en effet au fait du système national de passation et de gestion des marchés publics, la CNMP en assure la régulation et le contrôle. Elle propose les textes légaux et réglementaires qui doivent gouverner les échanges entre le secteur public et le secteur privé dans une recherche permanente d'équilibre au profit des deux acteurs. Elle vient en outre contrôler et vérifier que les lois et les règlements adoptés sont bel et bien suivis. Lorsque cette double mission est bien remplie, le système est fiable. Les acteurs économiques n'hésitent pas à investir dans le pays. Des emplois sont créés ici et là, de la richesse est produite, il y a de la croissance. Au final, le pays se développe. Je le répète souvent, et c'est ma conviction profonde, les marchés publics sont une voie de passage obligée pouvant contribuer grandement à nous sortir des ornières du sous-développement. Il s'agit donc d'une œuvre colossale, de travail de fourmi qui requiert la collaboration et l'intervention des plus d'un. La CNMP est consciente de tout cela et elle a de grandes ambitions. L'une d'elles est de faire en sorte que le maximum de gens possibles arrivent à la connaissance de ce que sont les marchés publics. Elle pense que la communication est le meilleur moyen d'y arriver. Communication avec tous les acteurs de la chaîne de passation du marché public. Quand nous parlons des acteurs de la chaîne de passation du marché public, nous parlons des autorités contractantes, les secteurs privés des affaires, la société civile en général. Le CNMP a jugé bon de le faire à travers des arrêtés, des circulaires, distribution de documents, campagnes de communication, séminaire d'information, chair en marché public avec l'Université d'État d'Haïti, conférence débat sur des thématiques faisant actualité et intéressant la vie nationale. Le parti pris de cette activité
a été, dès le départ, d'ériger, a été de travailler à ériger des ponts entre les acteurs du secteur public et privé et entre les rôles des différents intervenants du système haïtien de passation des marchés publics. Le rendez-vous du mois de la CNMP permet donc d'aménager un espace d'apport théorique, de débat ouvert et critique et de partage de l'information scientifique sur les marchés publics. Cette deuxième conférence autour du thème « Vers des achats publics durables en Haïti, enjeux et défis » propose une mise en regard entre achats publics et les notions d'efficacité et de durabilité. Elle permet d'initier un débat sur la nécessité ou la possibilité de prendre en compte, comme l'a si bien dit le coordonnateur, les facteurs sociaux et environnementaux dans le cadre du processus de passation des marchés au regard des ODD et des grandes orientations du plan stratégique de développement d'Haïti. La nécessité de promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales, est directement liée à l'objectif 12 des ODD qui vise à établir les modes de consommation et de production durables. Il est aujourd'hui bien établi que les politiques d'achat public doivent s'aligner sur la nouvelle orientation normative globale établi par les Nations Unies qui exige de prendre en compte le long terme en lieu et place des bénéfices économiques immédiats. En essayant d'intégrer des considérations de durabilité dans le processus de passation et d'exécution des marchés publics pour assurer la viabilité économique, l'équilibre environnemental et le progrès social, l'État haïtien arriverait sans doute à rationaliser davantage les activités d'acquisition publique et pratiques du marché. Vers des achats publics durables en Haïti, le thème retenu pour aujourd'hui, tel que formulé, n'est pas une utopie. C'est un impératif, je dirais même une vision qui doit orienter les choix politiques et les comportements des acteurs des milieux de pratiques professionnelles liés au marché public. Les acteurs publics et les acteurs non publics, pas vrai? C'est l'architecture, je pourrais dire, en haut de l'administration publique. Avec la Cour supérieure des comptes, vous avez le Parlement et l'exécutif qui peut être l'organe moteur, c'est comme le cœur du système, mais vous êtes capable de mourir avec le cœur qui a fonctionné bien, si l'autre organe a des problèmes. Et c'est ce que vous voyez là. Je n'ai pas mis CNMP, ULCC, mais la flèche côté où la justice a descendu, nous avons ajouté tout là. Tout acteur ça a eu, censé l'anatomie, l'État, même le corps humain, le fonctionnaire. Aujourd'hui, nous avons toute une série de problèmes. Pas de président de la République, parlement non fonctionnel. Donc nous comprenons que l'État a fonctionné mal. Parce que si les autres qui m'ont fait mal, nous connaissons que nous avons des difficultés pour fonctionner. Pipi pièce là. Donc c'est pour vous dire, lorsque d'autres parties fondamentales ne fonctionnent pas bien, ça pose problème en quelque sorte. Voilà l'exécutif avec le MEF dans le cadre du budget, les finances publiques et les ministères sectoriels qui ont un rôle important à jouer. Avant d'y aller, rester dans les acteurs non publics. Donc pour qu'il y ait vraiment de bons résultats, le collègue en parle là, c'est pas simplement le bon fonctionnement en haut, mais tout ce qui se passe en bas également. On ne peut pas minimiser le rôle des acteurs internationaux, dans le cas Haïti, les partenaires techniques et financiers. Il y a la société civile qui doit s'organiser pour participer également dans le cadre de la transparence, la reddition de comptes. Confiance, on en parlait tantôt. Les médias, voilà encore un acteur fondamental. Donc, comment assurer une bonne coordination entre les acteurs publics et les acteurs non publics pour cette efficacité, cette efficience et ce développement durable qu'on recherche? Le deuxième slide. Vous allez voir, nous ne sommes pas encore au niveau des chiffres, des données budgétaires, ni des finances publiques. Parce que tout ce qu'on fait là, mes amis, c'est pour pouvoir améliorer la qualité de vie de la population. Donc c'est ça pour nous cibler, c'est la demande, c'est la population, c'est le capital humain, si on peut s'exprimer ainsi. Donc on doit savoir combien de monde. La salle, ça a côté là. Supposez qu'il y a 1000 monde qui débarquent, conférence pas capable de faire.
Donc il y a toute une planification, à savoir combien de personnes. Oui, on a pris contact avec le conférencier, mais combien de personnes qui seront présentes. Si le conférencier arrive et les conditions ne sont pas réunies, ça pose problème. Donc qu'est-ce que nous avons là? C'est la carte d'Haïti, mais dans cette présentation qu'on fera, on aura l'aspect territoire, l'aspect géographique. La géographie économique est très importante également. Donc, malheureusement, on n'a pas encore réalisé de recensement dans ce pays depuis 2003. Et le dernier recensement, 2003, on se rappelle tout ce qu'il y avait comme stabilité politique. C'est le terme commun que nous avons dans ce pays. Donc, nous disons que nous sommes autour de 12 millions d'habitants, avec près de 5 millions au niveau du département de l'Ouest. Les moins âgés de la salle ne sauront pas qu'à un certain moment, nous les plus âgés, on parlait à un certain moment que le pays d'Haïti a 5 millions de monde. L'ensemble du pays, les 10 départements. Aujourd'hui, nous avons près de 5 millions rien que dans le département de l'Ouest. Donc un pile problème n'a vivre là aujourd'hui, à d'insécurité, de toute qualité problème qu'il a eu, est expliqué par cette forte concentration au niveau de l'espace. Et on peut questionner les finances publiques, les marchés publics, est-ce que nous avons bien géré côté de l'agenda de la pays. Le deuxième département, c'est le département de l'Antibonite, avec près de 2 millions d'habitants. Donc 37% de la population dans le département de l'Ouest. Et nous avons près de 15% dans le département de l'Antibonite. Arithmétique, nous avons déjà dépassé 50%. Nous avons 10 départements, mais 50% de la population habite dans deux départements. Si on ajoute le département du Nord comme troisième département, avec plus de 1 million d'habitants, autour de 10%, donc 50 plus 10, déjà plus de 60% de la population dans trois départements. Et si on ajoute le département du Sud avec les 800 000 habitants, nous sommes déjà à 70% de la population dans quatre départements. Donc, chiffres, ils parlent fort. Et le problème de vivre là, je dis, à expliquer par ça et tout. Et finances publiques, marché public, entrée, ce n'est pas comme ça qu'on est concentré dans petit espace. Il y a une raison bien déterminée, il y a une décision que tu prends, et bien, décision, ça remet ça au bon nous, avec toute concentration de mouvement, de densité et de logement qui posait. Ministère a réfléchi sur la réforme curriculum non? À travers réflexion déjà qui est très avancée sur quatre orientations curriculaires, là, répondre à une demande sociale dans un premier temps. Ce n'est pas seulement une décision politique ni une décision administrative. C'est une grande demande sociale pour que nous baguions l'école à plusieurs vitesses. Pour que nous baguions l'école côté en fonction de cotoyer, quand on fait ou gagne accès à un type de manuel. Et je dis, hein, l'école à plusieurs vitesses qui sont grandes demandes sociétaires, il y a une façon de matérialiser, c'est que tout haïtien gagne possibilité, gagne passer à travers Santa Caprile en sorte unique de compétences, de savoir et de culture. Les uniques par le socle unique de tout ça, trop comme un minimum, ça en haïtien, en haïtienne, supposé maîtriser comme savoir. Et dans un premier temps, que le fait à travers 11 livres, que le fait à travers 10, 20, 50, 100 livres, ça veut dire que ce socle unique, c'est la première définition que le ministère bail. Elle a parlé de livre unique. Et là, ensemble, compétences à eux déjà ramassées, et c'est ça qu'a discuté à travers réforme curriculum, qui c'est un très long chantier, un chantier qui n'a pas jamais fini, parce qu'il s'agit de mettre à jour ensemble de savoir, de compétences à la sortie, que le ministère, là, avec partenaires, définit à travers différents plans sectoriels. L'éducation, actuellement, nous connaissons que nous sortons d'un plan opérationnel 2015-2016, le ministère met en œuvre un plan décennal 2020-2030. Donc, ça n'a pas demandé ensemble de partenaires, c'est été campé, soudé avec plan sectoriel, éducation ministère, et c'est là, à travers actualisation, ça qu'a fait dans le curriculum, non, nous définit socle, compétences, savoir, culture, ça, qui est unique pour former un haïtien, un haïtien. Et c'est cadrage ça que DCQ va continuer à faire avec nous.
Deuxième élément qui est très important dans le cadre de l'agent, bien sûr, il répond à une grande préoccupation. Et là, nous n'avons pas qu'à faire sans la profession et l'industrie du livre scolaire. Parce que l'État, ça fait longtemps, c'est dans la façon d'organiser ce secteur-là. Éditeur gagne un poids important, son partenaire important dans affaires élaboration, édition et distribution manuel scolaire. Et dans le cas ça, c'est vrai que nous gagnons ambition dans le ministère là pour qu'une formation qui est utile et qui est soutenable pour l'ensemble des partenaires. Atelier ça, gagne pour objectif pour permettre que nous brasser l'idée encore plus. C'est vrai que il y a suffisamment de partage d'idées sous question Livinique-Lan, mais ce qui te permet que nous comprenions aussi une pluralité d'approches, de conception de Livinique en Haïti. Donc, atelier ça va permettre de nous recueillir des informations pour que nous co-construisions ensemble approche, vision nous, tu as dû gagner pour Haïti Livinique-Lan. Donc, d'abord, une bagaille qui est importante, c'est que dans un premier temps, à gagner, on s'annourait les partages d'expérience. Pour qui ça? Parce que nous avons un ensemble d'éditeurs qui déjà lancé dans le chantier ça. Et c'est peut-être ça nous penser que expérience, si vous parlez avec, partager avec nous et difficultés toutes les rencontrées, puis approche aux gens, concevoir pour permettre nous aller vers une vision qui est plus harmonieuse. Donc, dans ce sens, comme ministre la Sodil, l'État doit aider nous tous. Gantant gagner ensemble d'éléments sous la question socle unique de compétences, de savoir et de connaissances. Et ce qui est important aussi, c'est que pour nous capables de socle commun ça de compétences, hein, c'est en fonction de et aussi c'est par rapport à un document majeur que le ministère a déjà gagné, qui c'est cadre d'orientation curriculaire qui permettent, qui organisent justement discipline par domaine. Après partage d'expérience, n'a capable commencer par quelques éléments de cadrage par rapport justement à ensemble thématique qui vient pour porter sous, par exemple, question choix linguistique là, question organisation, regroupement, organisation des disciplines ou encore des matières. Et aussi, et question de guide de progression, comment justement être capable d'organiser contenu que nous allons mettre dans le livre unique là. Et aussi, en dernier lieu, nous avons bien la question de l'évaluation qui est un bagage qui est très important et qui va permettre que nous sommes capables de construire ensemble un cadre d'élaboration du livre unique ou encore un cahier de charges qui va permettre que l'éditorio gagne éléments de cadrage. J'ai rencontré en fait les cadres du CAPTE il y a un peu plus d'une année maintenant. Et nous avons discuté ensemble de modules qui avaient été produits par les cadres nationaux entre 2012 et 2015 environ, avec l'appui de la Fondation La Main à la Pâte. Ce sont des modules qui sont extrêmement intéressants au sens où ils sont conçus de telle manière que ce ne sont pas les enseignants qui déversent leur savoir en classe, mais qui interrogent plutôt leurs élèves, qui interrogent leurs représentations, qui leur posent des questions, qui les amènent à émettre des hypothèses et puis qui donc pour l'ensemble des apprentissages scientifiques et mathématiques
bien, les amène petit à petit dans une démarche qui est précisément une démarche d'investigation, une démarche de questionnement, une démarche de formulation d'hypothèses et puis de mise en place de petits dispositifs expérimentaux qui vont permettre de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses. Donc les modules étaient extrêmement intéressants et néanmoins nous avions constaté qu'ils étaient assez peu exploités en classe. Et donc nous nous sommes posé la question de savoir pour quelles raisons. Et en fait, nous sommes convenus du fait que très probablement, c'était pour des raisons linguistiques que ces modules conçus pour les quatre premières, pour les classes des quatre premières années du fondamental étaient peu exploités. Donc nous avons pris la décision ensemble de mobiliser un appui financier de l'ambassade de France pour leur permettre d'adapter ces modules de manière à ce qu'ils puissent être enseignés en créole dans les classes. Que les gens ont commencé à gagner une relation sexuelle sont des gens qui sont éligibles pour capable gagner et pour commencer à dépister de cancer du col. Donc nous faisons IVA, nous faisons PAP test et à une personne, à un patient qui commençait à avoir une relation sexuelle et sans aucun problème. Par définition, IVA ou bien PAP test, c'est qui ça? IVA, c'est une inspection visuelle à l'acide acétique. C'est définition pratique là. Son examen qui simple, le patient lui-même lié en position gynécologique, nous appliquer un liquide qui simple et acide acétique. Et en fonction de coloration que l'IVA nous dit que bon, test les positifs ou bien encore les négatifs. Donc, par contre, et PAP test lui-même sont frottis cervico-vaginal. Ils font prélèvement et que vous voyez prélèvement spécimen dans le laboratoire et avec résultat, on connaît qu'est-ce que sont lésions de bas grade, s'il normal, s'il sont lésions de bas grade, s'il sont lésions de haut grade. Donc, en fonction de ça, nous-mêmes personnellement, on connaît qui conduit pour nous capables de gagner face à la patience. Et son activité de routine, premièrement, qui est faite dans la famille, presque par année, nous faisons environ plus de près de 400 à 450 tests de dépistage de cancer du col. Et dernièrement, à l'occasion de Journée mondiale et de la femme, c'était, je crois que c'était le 8 mars, mais nous avons fait le 23 mars, à ce moment-là, pour famille était réalisé près de 400 tests de dépistage de cancer du col. Maintenant, lorsqu'on fait PAP test, on a deux sphères. Les deux que mon nom a une lésion précancéreuse ou bien encore ou regarder on dit ah probablement lorsqu'on on évaluation dit probablement mon ça est capable non stade de cancer. Maintenant, le monde vini li gon lésion précancéreuse, généralement, m'a dit que autour de 10 à 20% ici, hein, nous avons que dans lésion, gain des lésions précancéreuses. Mais c'est m'a dit autour de 2%, 3%, les PAP tests, leurs non font biopsie, parce que, comme dit, tests, ce sont des tests de dépistage, ce n'est pas des tests de diagnostic parce que si vous avez l'impression que vous avez un patient ça a un cancer du col, donc à ce moment-là, à travers soit on y va, on dit ah, bon lésion suspect, ou bien quoi, à travers un PAP test, on dit ah, et PAP test en suspect, à ce moment-là, ben, on fait un colposcopie, biopsie qui est beaucoup plus spécifique qu'un bon diagnostic là vraiment. Donc, approximativement, non trouvé autour de 2 à 3% de patients qui viennent avec des lésions cancéreuses, mais pas des lésions précancéreuses. Précancéreuses, c'est autour de 15-20% et pour les lésions précancéreuses.